joindre au miroir pour comprendre ce qui s'est passé dans les dernières heures qu'après eux là. Oui, exactement. Pendant qu'on a parlé de ça, mesdames et messieurs, ben là, nous avons annoncé que de part de l'ancien président est privé, mais j'en ai suivi dans l'extrait là. Eh bien là, nous, justement, eh bien, sont l'autre membre dans le gouvernement ça, qui sauvait, qui courait. Et pour qu'on y a là, nous sommes capables de dire qui comptait l'aller, mais il y a couru quitter le pays à la frame. Effectivement, et même j'ai noté qu'on est lié pour la semaine passée, hein, donc, alors, noté qu'on est lié hier, et ancien président privé, lui-même, t'es guet ensemble, malette lui, et y a pile monde t'a demandé qui côté monsieur allait, et il y a pile monde qui t'a permis dans l'aéroport, et faute la dedans qui t'a permis l'autre côté, dans l'autre aéroport, pour connaître, et qui côté le fait, et puisque monsieur pas capable d'aller au Canada, Canada sanctionné monsieur, et nous avons l'autre monde qui t'a pris monsieur dans l'autre pays, et en pile monde a demandé qui côté monsieur est, et c'est dans la dernière minute là, il y a un monde qui fait quoi que c'est en République dominicaine métaillé, côté deux petites filles yoyé, et y'a été, et regardez, tout le monde connaît, c'est là, y'a été, y'a payé, d'emblée, tout bien payé, y'a que tout le monde était pillé, et dans la période transitoire là, donc, effectivement, privé et quitter le pays ailleurs. Et je dis, alors, je dis, c'est Coupa et ministre planification, hein, nous, qui quitter le pays avec un pile mallette. Est-ce que c'est ça que tu as fait en 2004 là, qui a pu faire là toujours, côté que ils ont obligé de quitter le pays pour aller serrer l'argent qu'ils ont volé à l'étranger. Mais un fait est certain, ils ont remarqué ministre planification, hein, avec un pile mallette qui est censé quitter le pays. Hein. Donc, nous pensons ici vraiment aux situations qui commencent à interpeller les sociétés, à hein, interpeller un pile monde pour demander qui s'est passé, qui fait que dans pile officiel qui est en quitter le pays, hein, même gens, ils ont parlé de Madame France LB qui quitte le pays hein, tout, et matin, hein, et nous pensons que ça, c'est des signaux qui a voué, qui pourrait dire, est-ce que et monsieur et dame, c'est on marquage à faire, plan marquage à faire pour être capable de gagner assez d'espace pour être capable de faire exaction, bien assassiner les peuples haïtiens, même gens, notamment des militants qui sont très proches du gouvernement qui annoncent, ou bien est-ce que c'est au crasé quitter ça, tout le monde ça a fait pour être capable de payer en chance. Et PDG, je pense que ça, c'est un bagage qui interpelle un pile monde, puisque il y a un pile haut fonctionnaire d'État et qui dans l'État, un pile famille, commencer à payer et ramasser mallette pour quitter le pays, pour aller dans le pays étranger. Donc, ça, c'est un bagage qui interpelle un pile monde. Et je crois que nous-mêmes qui avons fait la presse, ou bien nous-mêmes qui, dans l'espace politique, là, tout, qui avons concerté avec plusieurs organisations, nous commençons à questionner. Est-ce que c'est déblayer, commencer à travailler pour déblayer terrien, ou du moins, est-ce que c'est ça que militants proches gouvernement ont annoncé qu'il va le faire, qu'il a préparé, mais un fait est certain, tout le monde constate que Madame France LB quitte le pays, et gagné Éric Appiah qui quitte le pays avec un pile mallette, nous ne connaissons pas qui ça mallette.